Bonjour à tous, ici Catherine Boutin, conseillère santé bien-être avec les huiles essentielles de doTERRA. Alors aujourd'hui à la capsule Les trucs à Catherine, je vous présente mon keychain. Donc c'est un petit porte-clés. Moi j'ai enlevé le petit anneau porte-clés parce que je l'utilise vraiment pour le mettre tout simplement dans ma sacoche. Je trouvais ça un peu gros pour un porte-clés, mais c'est comme sous ce nom-là que vous allez le retrouver. Donc je vous présente mon porte-clés. Alors, j'ai mis à l'intérieur des bouteilles de 2 ml. Vous pourriez mettre aussi des 1 ml, ça tient également. De mes huiles préférées, les huiles sans lesquelles je ne sors jamais. D'ailleurs, le titre, le nom de ma page Facebook, c'est Jamais sans mes essentiels. Et c'est pour une bonne raison. C'est parce que, bien sûr, je ne sors jamais de chez moi sans mes huiles essentielles préférées. Autant pour mon utilisation personnelle que pour les utiliser avec mes enfants. Et aussi pour dépanner des gens. Donc, souvent, il va y avoir des gens qui vont avoir un besoin que je vais croiser. Ils vont avoir mal à la tête. Ils vont avoir de la difficulté à digérer ou quoi que ce soit. Donc, j'ai toujours mes huiles préférées avec moi pour dépanner les gens. Et un truc, parce que c'est les trucs à Catherine. Donc, toujours avoir vos huiles avec vous, bien sûr. Et moi, ce que je fais, c'est que j'ai mis dans un roll-on. J'ai mis dans ce cas-ci, c'est de l'huile de pépins de raisin. J'aurais pu mettre aussi de l'huile de coco fractionnée. De l'huile d'amande douce, n'importe quelle huile porteuse qu'on appelle. Et donc, tout ce que j'ai à faire, c'est d'utiliser mon huile porteuse, de rouler tout simplement quelques tours dans ma main et d'utiliser mon huile de mon keychain, celle que je désire tout simplement. Et un autre truc, moi, ce que je fais, c'est, j'appelle ça y taper ses fesses. Donc, j'y donne deux, trois petites tapes sur les fesses pour avoir la goutte. Si j'ai les mains prises et que j'ai besoin de prendre. Voilà, une autre façon de faire que j'ai adopté, c'est entre le pouce et le majeur, tout simplement. Donc, je tiens au-dessus de la paume de ma main et touc touc quelques gouttes, et voilà, c'est prêt à utiliser de cette façon. Et ensuite, aller appliquer, dépendamment de l'huile et de son utilité, aller l'appliquer à l'endroit désiré. Donc, j'adore avoir mon roll-on d'huile porteuse parce que ça me permet d'utiliser mes huiles même sur mes enfants, par exemple, ou s'il y avait quelqu'un que je croise qui a la peau sensible, je ne voudrais pas lui faire essayer une huile. Sans la diluer, tout simplement pour éviter les irritations cutanées. Et en plus, sachez que le fait d'utiliser la dilution, donc une huile porteuse, ça va aider l'huile à mieux pénétrer dans la peau, donc elle va être plus efficace. Ça sonne bizarre de dire que diluer va être plus efficace, mais en fait, c'est ce qui se passe. Et ça évite les irritations cutanées, comme je l'ai dit. Et donc, je recommande toujours de diluer les huiles dans une huile porteuse. Voilà. Donc, c'était le truc à Catherine pour aujourd'hui, mon petit keychain. Vous retrouvez ça sur des sites de vente d'huiles essentielles, mais aussi doTERRA en a une version un petit peu plus courte. Eux, c'est des 8 bouteilles. Moi, c'est un 10. Et vous pouvez le commander tout simplement. Simplement, vous rappelez que c'est. Tous les articles pour le do-it-yourself et certaines trousses comme ça sont seulement disponibles aux États-Unis. Là, j'ai un doute par contre sur le keychain. Je ne sais pas s'il est seulement États-Unis ou Canada, mais la plupart des articles, comme si vous voulez des bouteilles d'échantillons ou des bouteilles de 5 millilitres pour faire des mélanges ou donner à des gens, ça, c'est seulement sur le côté États-Unis, mais on peut bien sûr, on y a accès. Donc, je vous encourage à cliquer j'aime. Sur ma page Jamais sans mes essentiels. Également, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube qui s'appelle aussi Jamais sans mes essentiels pour avoir accès facilement à toutes les vidéos que je vais vous présenter. Donc, bonne journée et partagez si le cœur vous en dit et si vous avez trouvé que c'était intéressant. À la prochaine! Bye!